Je pense que nous avons eu ces derniers jours diverses perturbations sur le réseau d'Alger qui sont liées en fait à des pannes que nous avons eues sur des installations stratégiques. En particulier hier matin à 2h40 pour être précise, nous avons eu un tuyau d'1,10 m de diamètre qui a éclaté au niveau d'Hydra de la clinique Shifa. Nos équipes ont été mobilisées immédiatement, nous étions en cellule de crise à 5h du matin. Elles ont travaillé toute la journée et donc ça a été rétabli dans la nuit et le retour à la normale est en cours. Voilà. Vous savez, le réseau de distribution d'eau d'Alger, c'est un réseau très complexe, c'est un réseau ponctuellement vulnérable, il peut arriver qu'il y ait des incidents. Malheureusement, il y a eu 2-3 incidents à répétition qui ont affecté certaines populations, je pense en particulier aux zones de Bouzaria, Chiraga, etc., qui ont en fait souffert à répétition et nous sommes vraiment désolés. Ce que je peux vous dire, c'est que les équipes de CERL ont été mobilisées à 120% sur ces sujets. Ça peut arriver, ça fait partie des aléas de fonctionnement d'un grand réseau d'eau.